Chez vous. Comme vous le savez, hier, il y a eu un drame près de Mouila, le chef-lieu de la province de Langouni, dans le sud du Gabon. Au moins 6 personnes ont péri dans un accident, dans une collision entre un véhicule de transport du personnel de la nébuleuse singapourienne Olam et un transporteur de grumes. Et d'autres personnes blessées ont été transportées à l'hôpital. Il aurait eu d'autres décès à l'hôpital. D'autres parlent de 10 morts, d'autres parlent de 15 morts. Mais toujours est-il, le sang a coulé hier. Pour la énième fois. Alors c'est l'occasion de combattre Olam. Combattons Olam et ses pratiques esclavagistes. Je vois un esclave du temps moderne là qui dit que si en combattant Olam, c'est moi qui vais donner du travail. Oui, je viendrai vous donner du travail quand je serai président du Gabon. Hein? Je viendrai vous donner du vrai travail. Ce n'est pas les conneries qu'Ali Bongo vous a amené là. Parce que Olam, c'est une connerie. Olam, c'est une connerie. Nous avons connu des entreprises au Gabon. Mon père a travaillé à la compagnie forestière du Gabon, qu'on appelait CFG, devenue Coraou du Gabon aujourd'hui, et on n'a pas connu ces pratiques là des pratiques où on prend des agents,
on les planque au sol parce qu'ils revendiquent leurs droits et on dit couchez-vous là en plein soleil et on vous tabasse. Ça, c'est à l'époque de l'esclavage. Et c'est nous-mêmes qui voulons ça. Nous avons l'occasion de mettre un terme à ça. Dans des pays sérieux où les gens ont encore le cœur, ils profitent souvent des occasions comme ça pour mettre au là à certaines situations qui les embêtent. Mais comme nous, au Gabon, on n'a pas de cœur, comme nous, au Gabon, on s'adapte à tout, même à la misère, alors on accepte tout, on ne veut pas changer. Mais j'ai dit aux Gabonais, c'est l'occasion de changer ça. Parce que qui dit Olam, dit Bongo. Olam, c'est une holding de Bongo. C'est l'une des sociétés qui participe à blanchir l'argent des Gabonais. Ça, vous ne savez pas. Si vous avez faim aujourd'hui, s'il n'y a pas de l'emploi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens aussi comme Olam qui mettent le grappin sur votre argent. On ne peut pas accepter l'esclavage en ces siècles de modernité. Vous voyez ces gens-là qui sont au sol, planqués au sol. Regardez. Tout simplement parce qu'ils avaient osé revendiquer leur salaire. Voilà. Des pères et des mères, des familles, qu'on planque au sol comme ça parce qu'ils ont revendiqué. Et comme le vrai gérant de Olam Gabon, c'est Nourdine Bongo, le fils d'Ali Bongo, qui a été catapulté coordonnateur général des affaires présidentielles. Donc, la solution est vite trouvée. On appelle les gendarmes, on appelle les militaires pour venir mater les gens et on les met au sol comme ça, on les planque au sol. Parce qu'ils ont osé revendiquer leurs droits. Si vous avez quelqu'un qui travaille à Olam et qu'il vous dit qu'il n'est pas bien payé, hein, qu'il ne peut pas régler vos problèmes, il ne faut pas en vouloir à cette personne. Parce qu'ils sont payés à monnaie de singe. Ils n'ont rien pratiquement. Allez-y dans l'article de mon journal Matin d'Afrique. Vous allez retrouver les détails, comment on les paye. 200 francs quand ils font l'étalage des palmiers là. 200 francs. Donc il y a des gens qui se retrouvent, le salaire va entre 25 000 et 60 000 francs CFA, quand c'est beaucoup maintenant. Il y a des gens qui sortent à la fin du mois avec 30 000 francs CFA. Donc presque 35 000 francs, l'équivalent de 50 euros. 50 euros. Vous avez 50 euros par mois, vous gagnez. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Et vous allez trouver des Gabonais qui ont un magma de boue à la place du cerveau. Vous dire que qui, si on combat Olam, c'est toi qui vas nous trouver du travail. Donc vous préférez aller mourir. Vous préférez prendre des risques inutiles. Vous voyez l'esclavage. L'esclavage aussi, c'est nos agissements rétrogrades. Quelqu'un va vous dire non. Si toi tu dis on doit combattre machin, toi qui as trouvé du travail. Ça, c'est le travail, ça. Quand des sociétés comme ça vous utilisent dans les camions, regardez le genre de camions qu'ils transportent. Vous voyez à côté? Ce sont des camions qui n'ont pas de frein. Des camions sans frein. Moi, j'appelle ça des guimbardes pétadarantes. Des camions sans frein. Donc quand vous descendez la pente là, il faut que le chauffeur commence à appuyer plusieurs fois. Parfois, il est obligé de mettre la marche arrière. Comment une société comme Olam, qui a des milliards, n'arrive pas à acheter des camions décents, de confort, pour transporter son personnel? Vous avez vu le drame qui est arrivé hier. Voilà le genre de camion. Voilà. Voilà le camion qui a fait l'accident hier. Voilà. Donc les gens étaient transportés là-dedans, entassés comme des bœufs. Et c'est normal. Parce que plus vous êtes entassés, plus le choc est violent. Que ce soit en cas d'embardé, de collision. Et c'est ce qui est arrivé. Plus grave, c'est quoi? C'est que ces personnes, le code du travail est clair. Quand vous quittez votre maison, vous montez déjà. Quand vous quittez votre maison, c'est que le travail commence à 8 heures.
S'il vous arrive un accident à mi-chemin, c'est l'entreprise qui doit prendre ça en charge. Quand vous rentrez chez vous, s'il vous arrive un accident, c'est l'entreprise qui doit prendre en charge. Quand vous faites un accident pendant les heures de travail, c'est l'entreprise qui doit prendre en charge. Or, qu'est-ce qui se passe avec Olam? Chaque fois qu'il y a un accident, Olam lave ses mains, dit ça ne me regarde pas. Olam dit ça ne me regarde pas. Et ceci, ça avait été, je vais vous montrer des images tout à l'heure, certainement vous les avez reçues puisque ça circule. Regardez comment on transporte, regardez dans quel état. Les blessés. Regardez les blessés. Les gens qu'on a amenés à l'hôpital. Deux sur un lit. Parce que quand j'ai parlé de ça hier, on m'a dit que j'ai menti. Regardez, des blessés. Deux sur un lit. Un petit lit, un lit d'une place. Un lit d'une place, on met deux blessés sur un même lit. Vous avez vu ça où? Pourquoi Olam n'a pas loué un hélicoptère ou un avion pour transporter ces personnes-là à l'hôpital militaire qui est plus équipé? Ou à la polyclinique El Rafa? Ces gens sont déjà payés à monnaie de singe. Ils ont au plus 60 000 francs CFA. Ou 35 000 pour certains qui n'arrivent pas à faire beaucoup d'étalage. Donc, ils font l'accident à bord du véhicule d'Olam. Et Olam ne peut pas prendre en charge ces accidentés. Ce sont les proches des victimes qui ont encore payé les soins intensifs qui ont été administrés à ces blessés. Est-ce que comme ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les Gabonais sont habitués à ça. On s'habitue à la misère. On s'habitue à l'esclavage. Les gens ont refusé Olam à Mevoul. Les vrais gens sont les gens de Mevoul. Excusez-moi. Les vrais Gabonais, ce sont les gens de Mevoul. Le reste, c'est une bande de lâches. Parce que Mevoul a refusé à dire niet à Olam. Je me souviens de mes entretiens avec Bertrand Zibi Abeke à l'époque. Il était député. Il avait dit niet. Moi, à Mandji, j'avais dit niet. Quand j'étais à Mandji, j'avais dit si Olam vient ici, nous allons saboter les installations d'Olam. Il y a eu un rigolo qu'on appelle Jean-François Ndongo. Qui menait ça? Il y a eu un rigolo qu'on appelle Jean Koumbi Yedi. Il y a eu mon défunt oncle, Chimbika Bouddhile, qui a dit Olam rentre ici pour amener du travail. Il dit Olam n'est pas une société exemplaire. Les fans qui aiment le travail, quand vous avez vu les fans qui aiment le travail, refuser Olam à Mevoul, c'est qu'il y a problème. Olam veut dire enfant, piège. Je dis si les gens de Mevoul qui ont besoin du travail ont refusé Olam, c'est qu'il y a problème. Et en plus, quand Olam venait, c'est pour s'installer sur les plaines enchanteresses de Mandindoulou, nos plaines mythiques, pour les détruire, pour gaspiller. Donc, je m'étais opposé. Avec moi, j'ai pu amener Maître Maïla et d'autres jeunes cadres. Pour dire qu'Olam n'est pas une société sérieuse. Partout où elle est passée, elle est réputée comme une société qui fait dans la déforestation, qui pollue l'environnement. Parce qu'elle coupe les arbres, elle met des pesticides, elle utilise des pesticides qui sont dangereux pour l'environnement. Donc j'étais parmi ceux qui ont dit Olam n'est pas bien, pas. Bon, après j'ai pris le chemin de l'exil. D'ailleurs, moi, ils ont réussi à s'installer à Mandji. C'est un désastre. Et chaque semaine, il y a un problème. Chaque mois, il y a au moins un accident. Parce que les gens qui travaillent là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont même pas des installations. Ils n'ont pas des installations. Ils n'ont pas d'équipement de protection. Or, ils utilisent des produits chimiques dangereux pour la santé. Donc, pas des gants. Ils les utilisent avec la main. Et beaucoup contractent des maladies et en meurent. Et ça, il y en a partout dans le Gabon. On trouve Olam à Bitam, les gens de Bitam. C'est dommage. Parce qu'il n'y a pas de raison que Amivou à côté, déjà, ait refusé Olam et Abitam, on a accepté. C'est normal, on aime l'argent.
Mais ça, c'est quel argent? Comme disait quelqu'un, j'ai croisé un Chinois. Non, un Chinois qui me disait, petit l'argent, petite route. Ça, c'est ce que les Chinois appellent petit l'argent. Donc, vous allez mourir pour petit l'argent. Vous allez mourir pour petit l'argent, comme disent les Chinois. Regardez-vous comment on utilise les gens. Donc, ils sont là. Cet homme-là, ce n'est même pas sa femme. On le dépose sur le lit comme ça. Regardez. Sans respect de la dignité humaine. Aucun respect de la dignité humaine. Et c'est Olam qui est derrière ça. Il n'y a pas que cette photo. Voilà deux autres. Deux autres blessés. Regardez. Sur un lit d'une place. Pourquoi Olam n'a pas loué un avion pour venir prendre les accidentés et les amener à Libreville pour se faire soigner? Parce que ce sont des enfants des pauvres. Si ça avait été des enfants des ministres, des enfants des députés, on aurait tout de suite loué l'avion. Mais comme cela, c'est la piétaille, c'est l'engeance. Donc, on néglige, on les envoie comme ça. Et moi, j'ai dit non. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas tolérer ça ad vitam aeternam dans notre pays. Et Olam, c'est qui? Olam, c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui a mené Olam. Il vous a promis à coup de cymbales une entreprise pour venir trouver du travail. Mais quel travail qu'on trouve avec ça? Quel travail? C'est ça le travail pour être payé à 50 euros par mois? C'est ça le travail? Vous avez dit, oh, est-ce que c'est ça le travail? Il y a une photo que je cherche là pour vous montrer. Parce que j'avais été de cette mission. C'est une photo qui date de 2011. J'avais été de cette mission. J'étais encore journaliste à l'Union à l'époque et j'ai accompagné ces rigolos d'Ali Bongo dans l'arrière-pays et nous sommes arrivés donc sur ce site-là. Des photos, c'est dommage que je n'arrive pas à faire le renvoi d'écran. J'ai des images que je voulais vous montrer. Parce que quand je vois ce Gabonais qui vient dire, toi qui as trouvé du travail. Le travail, là, vous allez mourir, là, comme des mouches. On vous transporte dans les camions comme des bœufs. C'est ça, le travail. Moi, je préfère mourir de faim chez moi que d'aller me sacrifier. Vous étiez nombreux ici quand je voulais aller en Syrie, aller travailler là-bas. Oh non, non, tu ne vas pas mourir pour de l'argent. Beaucoup m'ont dit ça. Mais parce qu'il y avait des risques. Pourquoi la même chose n'est pas valable pour cela? Donc, ce sont des chiens, ils doivent mourir comme ça. Ils doivent être transportés dans des véhicules sans frein. Ils n'ont pas de ceinture de sécurité, rien. Donc, en cas d'embardé, en cas d'accident, ils sont projetés partout. Parfois, le véhicule vient monter sur eux. On a vu des accidents comme ça. J'ai plein d'images là. C'est pourquoi j'ai dit, on doit combattre Olam. Olam, c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui a mené cette foutue société au Gabon et on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas dire on va encore faire comme ça. C'est du maboulisme pur et simple. Quand on vient dire on va en faire comme, non. On doit dire on doit faire comment pour faire ça. On doit se poser la question. Pas on doit encore faire comment. Non. On doit encore faire comment, c'est une résignation. C'est qu'on accepte ça. Je suis étonné que les gens soient restés silencieux après ça. Ce n'est pas le premier drame. C'est une longue série noire qui se poursuit à Olam. Pourquoi les Gabonais n'agissent pas? Il faut que nous apprenions à venger nos morts. Il faut que nous apprenions à venger nos morts. Si c'était chez les Ouest-Africains, là, ça n'allait pas se passer comme ça. Si c'était chez les Maghrébins, ça n'allait pas se passer comme ça. Mais pourquoi chez nous on accepte tout? On a mangé quoi? On a quel problème? Cette société-là pille nos forêts. Aujourd'hui, vous vous posez la question, pourquoi il y a des éléphants qui viennent maintenant dans les villes, mais leur habitat habituel est détruit. Leur habitat naturel est détruit par Olam. Depuis qu'Olam est entré dans nos forêts, c'est le désastre écologique. Olam a été chassé partout. Il y a même des sociétés qui ont besoin de capitaux. Comment se fait-il que les pays qui ont besoin de capitaux n'ont pas accepté Olam? C'est nous qui acceptons à cause de ces médiocres présidents qu'on appelle Ali Bongo. Et il y a des gens qui vont dire, oh non, c'est toi qui vas mourir du travail. C'est ça qu'on appelle le travail, ça. Vous allez mourir pour 50 euros.
Vraiment, vous valez 50 euros. Moi, je me dis, on a un problème dans ce Gabon. Quand je vois des Gabonais qui viennent poser ce genre de questions-là, oh, c'est toi qui vas nous trouver du travail. Mais moi, si je suis président du Gabon, vous serez à l'aise. Hein? Je ne parle pas pour parler. Hein? Ceux qui ont travaillé déjà, moi, j'ai géré à mon niveau de service où j'ai géré. Quand je suis parti, les gens ont pleuré. Parce que je sais mettre les gens à l'aise. Je ne me contente pas de mon bien. Je ne peux être heureux que lorsque les autres le sont. On ne peut pas faire son bonheur quand les autres sont malheureux. Donc, vous qui faites, vous parlez, qui ouvrez vos mandibules, attendez que je rentre au Gabon. Quand j'aurai le pouvoir de décision pour le Gabon, ne vous en faites pas, vous allez voir les choses vont changer. Moi, je ne suis pas le rigolo d'Ali Bongo. Moi, je ne suis pas le rigolo d'Ali Bongo. Donc, ça, il faut que nous nous battions pour dire stop à Olam. Olam, c'est l'exploitation. Olam fait de l'exploitation. C'est dommage, je n'arrive pas à trouver ces images-là. Je n'arrive plus à faire le renvoi sur l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe. Interruption de diffusion sur l'écran, comme quand je ne comprends pas. Bon, bref, on aura l'occasion de faire un défouloir ou un balcon sur cette société. C'est Ali Bongo qui est derrière. Et si Olam maltraite les Gabonais aujourd'hui, si Olam maltraite les Gabonais, c'est parce qu'il y a Ali Bongo qui est derrière. Parce qu'il y a Sylvia Bongo qui est derrière. Parce qu'il y a leur fils, Noureddine Bongo, qui est derrière. Ce sont eux. C'est qu'Olam nous fait vivre aujourd'hui là. C'est qu'Olam nous fait vivre au Gabon. C'est commandité par les Bongo. Et c'est parce que tout simplement, les patrons de l'âme savent qu'ils sont protégés par les Bongo. C'est ça. S'il n'y avait pas de lien avec le palais présidentiel, ils n'allaient pas faire ça. Les gens ont eu un accident à bord d'un camion de l'âme. On les abandonne. On les laisse comme ça. Dans un centre médical ou dans un centre hospitalier régional qui est un mouroir où il n'y a pas de médicaments, où il manque même de personnel qualifié, parfois il n'y a même pas de chirurgien. Parce que quand il y a des accidentés comme ça, forcément, on a besoin de l'intervention d'un chirurgien. Mais parfois, il n'y en a pas. Est-ce que si c'était les enfants des ministres qui avaient fait cet accident, on n'aurait pas envoyé un avion? Est-ce qu'on n'allait pas envoyer un avion, aller prendre ces enfants-là, les amener tranquillement à Libreville pour se soigner? Parce que, tout simplement, ce sont des gens qui sont pauvres. Et ils savent qu'ils ne vont rien faire. Et ils savent que les Gabonais aussi sont des personnes sans couilles. Donc ils ne vont rien faire. Mais vous savez ce que les Nigériens faisaient aux entreprises pétrolières là-bas. Vous vous souvenez? Il faut que cela arrive au Gabon. Le sabotage des sociétés qui posent problème. Il faut qu'on arrive à saboter. Ça, là, si ça s'est passé au Nigeria, on ne trouverait plus les camions de l'âme là, qui sont défaillants. On devait réduire ça en cendres. Mais vous allez voir demain encore, c'est sûr qu'aujourd'hui, malgré l'accident là, il y a des gens qui ont dû prendre le chemin du travail, aller travailler dans le même camion. Camion sans frein. Et puis avant de monter, on fait un signe de croix comme ça. Mais vous pensez que Dieu va faire quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire quand vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez? Quand vous-même, vous cherchez à mourir pour des broutilles, ça c'est broutilles. 50 000 francs CFA, 60 000 francs CFA. C'est pourquoi? Vous faites quoi avec ça? Vous ne pouvez même pas payer deux sacs de riz. Ça ne peut même pas tenir une semaine. J'ai vu des gens ici. J'ai vu cette vidéo-là. Je vais vous la diffuser. Voilà, je reviens sur les images. Ça, c'est à l'hôpital. Vous voyez les mois. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Bon, ça ne s'ouvre pas, c'est pas. Voilà, on a un problème, voilà. Vous voyez? C'est tout. On doit combattre. On a eu des sociétés au Gabon. On a eu des sociétés comme CFG. Vous avez dit oui, parce que tu parles comme ça, parce que c'est une société française. Mais les Français ne nous ont plus jamais ridiculisés comme ça. Les sociétés françaises qu'on a eues au Gabon, que ce soit CFG ou bien d'autres qui sont venus, n'ont pas utilisé les Gabonais comme ça.
Non pas traiter les Camerounais comme des esclaves, mais ça c'est le propre des Asiatiques qui sont là-dedans. Les Asiatiques là traitent les gens comme ça. Chez eux, comme c'est une dictature, ils pensent que le Gabon, ils peuvent faire ça. C'est pourquoi il faut combattre ce genre de société. On doit respecter la dignité humaine. Or, avec Hollande, on ne respecte pas la dignité humaine. Et ça, il faut donc combattre. On a eu des Blancs. On a eu des sociétés françaises. Moi, j'étais travaillé. J'avais quel âge? J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. En 93, quand mon père est mort, avant qu'il ne meure, les vacances, je suis allé travailler à Avocet. Il y avait plusieurs sociétés là-dedans. Il y avait Colas. Il y avait. Je me rappelle, il y avait un Français qui s'appelait Joli Bois. Il avait une attitude un peu hautaine. Vous savez ce qu'on a fait? On l'a soulevé dans une grue, dans un conteneur. Et on a laissé ça pendant une heure au-dessus de l'eau. On a dit, si tu fais encore ton comportement esclavagiste là, on trempe la grue. Et tous les autres Blancs nous ont respectés. Tous les autres Blancs nous ont respectés. Ils n'ont plus jamais fait ça. Il y avait une grande grève au village qu'on appelle Mokuna. Il y avait même ma défunte tante. C'est une grève menée par des femmes. Renseignez-vous. À l'époque, mon défunt oncle, Vincent de Paul Nyonda, était encore en vie. Il est venu même intervenir. On a dit, on n'accepte pas le traitement. Là, c'était des salaires. On parlait des salaires et pourtant, on avait des gros salaires. On avait les 1 million de salaires. On avait les 750 000 francs de salaire. Mais on avait trouvé que c'était peu. On a fait une grève, on a augmenté. Mais les gens qui ont 50 000 francs CFA font une grève. Allez, on appelle la police, on appelle la gendarmerie. Et puis, on vient les planquer au sol comme ça. C'est ça, l'émergence voulue par Ali Bongo, non? Que je retrouve cette image-là. Vous faites une grève, et puis, on dit non, c'est pas normal. On vous appelle la police pour venir vous planquer au sol comme ça. Et puis on dit, de toute façon, vous avez vu cette image-là. Voilà. On vous amène la police pour venir vous mettre au sol comme ça. Parce que vous demandez qu'on vous ajoute même 10, même 1 000 francs de plus. Voilà comment on traite. Donc, et ça, c'est des sociétés qu'un président qui aime son pays amène. Un président qui aime son pays va amener une telle société pour venir humilier son peuple. Ali Bongo n'aime pas les Gabonais. Ali Bongo se sert du Gabon pour parvenir au sommet de ses espérances occultes. C'est tout. Ali Bongo n'a jamais aimé le Gabon. Et quand je vois des gens qui sont encore en train de préparer la campagne pour ce type-là, mais je dis, mais les Gabonais ont un problème. Ou c'est pour lui, ou c'est pour son fils. Donc on aime cet esclavage-là. On ne voit pas ce qui se passe chez les autres. Les gens ne suivent pas les informations. Mais il y a un problème. Combattons aux lames et ces pratiques esclavagistes. On ne doit pas accepter ça. Où que vous soyez, que vous travaillez à Olam ou pas, il faut combattre cette société. Quand vous pouvez faire des actions de sabotage, parce que ça n'apporte rien au Gabon. C'est des sociétés qui ont même, qui sont exemptées même des droits de douane. Donc quand ces sociétés commandent du matériel, ne payent même pas la douane, ça nous apporte quoi? Rien. Rien que des pleurs. Ça nous apporte rien que des pleurs. Rien que les deuils. Mais moi, je préfère. Je vous assure que je préfère être au chômage que d'aller, moi, me tuer. Non, où je peux mourir dans le camion. Où je peux mourir en utilisant des produits chimiques. Donc, je préfère. Je ne peux pas demander à un de mes. Au mien d'aller travailler dans une société comme ça. Jamais. Je préfère dire que va faire l'agriculture. Va faire le vin de palme, tu vends. Que d'aller aux larmes. Donc, on essaie de parler aux Gabonais chaque jour. Et ça, pour faire même des actions de sabotage, on n'a pas besoin d'être en groupe seul pour ne pas être trahi. Quand vous voyez un camion comme ça, vous savez que ça finira par faire l'accident. Vous croisez, vous savez ce que vous avez à faire de ce camion. C'est simple. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous savez que ce camion-là finira par tuer nos parents. Alors, quand vous croyez, quand vous croisez ce camion, il est garé, forcément, souvent, même le chauffeur, c'est des buveurs, parfois il gare. Il dit, ça, c'est un danger.
Ça, c'est un danger. Il faut être. Moi, je vous assure que moi, je n'accepte pas ça. Et je n'accepterai jamais ça. Une fois, je voyageais dans un train avec un monsieur. C'est écrit no smoking. C'est écrit donc no, interdiction de fumer. La personne s'est mise à m'étouffer. Nous étions à deux dans un petit compartiment. Et pourtant, quand je lui ai dit, écoutez, j'ai payé mon billet, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas payé mon billet. Il a continué comme ça. À un moment donné, il a déposé sa pipe là. Pour aller se soulager, j'ai pris la pipe et j'ai balancé ça. J'ai balancé ça par la fenêtre. Quand il est venu me demander, j'ai dit, mais tu me demandes, moi je fume comme toi. J'ai dit, tu m'as vu que moi je fume. Et puis c'était réglé parce qu'il fumait, il me faisait fumer. Il exposait ma vie. Parce que moi je n'ai jamais pris la fumée de tabac. Non. Donc il voulait me faire fumer en un mot. Au motif qu'il a pris le billet, comme si moi je voyageais gratuitement en ce temps-là. J'ai pris la pipe, j'ai balancé ça par les hublots, c'est parti. Voilà, au moins, je suis arrivé jusqu'au bout de mon voyage, je n'avais plus de fumée. Donc, vous savez, faites un effort de comprendre que notre pays est en danger et que ce que les Bongos ont mené, c'est pour leur richesse. Cette société fait tout à la fois. Cette société exploite même du bois. Les espèces protégées, le Kevazingo, Olam exploite ça, envoie ça dans les camions. Olam abat les éléphants, utilise les défenses, les envoie en Asie. Olam exploite de l'or. C'est un fourre-tout. Et pourtant, quand on est venu, quand ils ont amené ça au Gabon, ils ont dit c'est une société pour faire des plantations de palmiers à huile. Mais aujourd'hui, Olam fait tout. Parce que c'est devenu. Parce que c'est une holding des Bongos. Leur société écran pour siphonner les finances publiques. Donc il faut, puisqu'on ne profite pas de ça, il faut combattre cette société avec ses pratiques esclavagistes. S'il y a des actes de sabotage à faire, il faut le faire. Nous n'avons pas besoin de ça. Si les Asiatiques pensent que le Gabon, c'est leur territoire, ils doivent faire ça, alors qu'ils prennent leurs affaires, ils repartent chez eux. On a eu des sociétés au Gabon. On a eu des sociétés allemandes. Moi, j'ai connu Berger, mais j'étais petit. Mais je n'ai pas vu mes parents être exploités comme ça. Ils étaient transportés dans des véhicules confortables. Où ils étaient chacun assis. Donc, réfléchissons déjà. La résistance, c'est tout ça. Il faut résister. L'oppresseur, c'est ça aussi. Ce sont les complices de l'oppresseur. Il faut le combattre au même titre que l'oppresseur. Le complice, l'oppresseur va être combattu avec la même détermination que l'oppresseur lui-même. C'est ce que je suis venu vous dire. Parce que je suis fatigué de ces jérémiades, des gens qui viennent pleurer. Oh, on a perdu tel, on a perdu tel. C'est bien de dire ça, mais oh, qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Qu'est-ce qu'on tire comme leçon quand toutes ces personnes meurent? Toutes ces personnes sont mortes. On ne va plus les retrouver, ils ne vont pas nous les ramener dans les familles. Hein. Ces personnes qui sont mortes ne reviendront plus. Elles sont parties. Regardez les jeunes. J'ai vu des jeunes. J'ai vu même la veuve du chauffeur. Une jeune fille, elle n'a même pas 26 ans, 27 ans. Je ne pense pas. Peut-être qu'elle a 22 ans, 23 ans. Donc elle reste avec deux enfants. Et Amoula, même si c'est le Gabon, mais ce n'est pas chez elle. Donc elle reste là. Elle est en détresse. Et les enfants vont être dans la galère maximale. Olam ne va rien verser, rien absolument, parce que c'est une société puissante, parce que ce sont les Bongos qui sont derrière, c'est leur holding, donc il n'y aura rien. C'est pourquoi nous devons combattre cette société et ses pratiques esclavagistes. Et s'il y a des actes de sabotage, il faut les faire, il ne faut pas hésiter, mais le faire seul pour ne pas être dénoncé. C'est ça aussi la résistance. Maintenant, dire comment on va faire comment, est-ce qu'on va trouver encore du travail, ça ce n'est pas du travail, ça c'est l'esclavage. Sauf si le travail de certains Gabonais, c'est d'être exploité. Mais ça ne m'étonnerait pas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que les faits sont commencés à rester derrière. Ce n'est pas aujourd'hui que les faits sont commencés à rester derrière. Merci de m'avoir reçu chez vous. Yao, mon bien, yo.
Oh,
nangao, onye nangao, onye nangao, onye nangao.